afin d'élire les 52 sur 67 sénateurs pour les 6 prochaines années. Le premier tour des élections sénatoriales a eu lieu ce samedi 30 janvier dans tout le territoire gabonais. Ici, dans le deuxième siège du 4e, 5e et 6e arrondissement de la commune de Libreville, du bureau de vote unique du centre unique de l'école publique de Glace. Les conseillers municipaux Karim Zengi et Igor Landry Mendo Mambira ont accompli leur devoir citoyen, démontré leur attachement au candidat investi par le Parti démocratique gabonais PDG. En tant que soutien du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, nous sommes venus ce jour confirmer notre attachement à sa politique de développement de notre nation en élisant, bien sûr, c'est-à-dire en accordant notre vote au candidat qui a été investi par lui, c'est-à-dire M. Alexandre Sima, un vote qui pour nous ne souffre aucune ambiguïté, et nous disons clairement que pour ce qui nous concerne, il est désormais considéré comme le vénérable sénateur du deuxième siège de la commune de Libreville. 72 conseillers municipaux ont pris part à ce scrutin au suffrage indirect uninominal majoritaire afin de choisir un des deux candidats qui étaient dans la course. Sima Alexandre du Parti démocratique gabonais, PDG, et Ngualu Marie du Centre des libéraux réformateurs CELER. Le président du bureau nous donne ici quelques informations. D'abord dire que seuls les conseils municipaux sont admis à voter et les conseils municipaux inscrits sur la liste électorale sont habilités à voter. Et en plus, dans l'ensemble, les opérations de vote se déroulent bien depuis le matin et on s'achemine tout droit vers la fin. Le Sénat gabonais sera composé de 67 sénateurs renouvelés intégralement tous les 6 ans. 15 seront nommés par le président de la République Ali Bongo Ondimba. Le deuxième tour de ces élections sénatoriales est fixé pour le 6 février prochain.